D'abord, il y a peut-être cette volonté peut-être de non-choix et de travailler avec des choses qui me sont presque imposées par ma propre vie. Par rapport au lieu, il y a plusieurs choses. Sans savoir que j'allais faire de la mousse ici, j'ai eu envie en tout cas de. Peut-être de profiter de cette sensation qu'on peut avoir dans les lieux de culte, où on est souvent mis à l'écart du monde par l'architecture, par le fait que les murs soient très épais, qu'ils donnent une certaine lumière, un certain son, une certaine qualité de l'air. Et j'avais envie de. Peut-être qui nous domine, comme on est dominé par l'architecture. Ensuite, je me suis dit que la mousse avait bien des côtés qui pouvaient prendre un autre sens dans un lieu de culte, comme le côté immatériel, ou le côté la blancheur. Puis on peut penser à des cierges qui coulent ou à des draps. Ce qui m'intéresse ici, c'est que si on arrive, on a l'impression que les choses sont fixes. Et si on passe un bout de temps, on voit qu'elle change de forme. Ça m'intéresse par rapport à la vitesse du mouvement et par rapport au fait que les choses soient à la limite de la perception. Le fait que les choses aient un cycle de 24 heures ici aussi, cette idée du cycle. Alors des fois, ça dépend de l'expo, mais soit le cycle peut durer 24 heures, ou des fois il peut être beaucoup plus court, ou des fois il peut être beaucoup plus long. Mais en tout cas, c'est toujours des questions de cycle où la chose fait un chemin de vie, naît, meurt, et puis recommence. Les jardinières, donc, comme vous voyez, accrochées sur un échafaudage, à l'intérieur de chaque jardinière, une petite arrivée d'air. Qui arrive dans un mélange d'eau et de main moussant, et qui produit continuellement de la mousse. La chose importante ici, c'est qu'il faut que la mousse pousse très lentement, de façon à ce qu'en même temps qu'elle s'élève, toute l'eau qui produit la lourdeur de la mousse contenue à l'intérieur ait le temps de descendre. C'est un réglage qui se fait par des petits robinets qu'on effectue chaque jour parce que la température est différente chaque jour. Le biotope, en fait, influe sur la forme des pièces. Il y a carrément des fois où les pièces ne sont pas montrables dans certains biotopes. Et puis voilà, le choix de montrer une pièce à tel endroit, le premier choix, c'est celui-là, en fait. Est-ce que la pièce va être viable dans cet endroit?